Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir le pistolet laser gratuitement sur la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors il y a un petit easter egg, donc un petit secret à réaliser pour obtenir le pistolet laser gratuitement et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord il va falloir aller à Beach Pizza dans la Main Street, donc dans la rue, juste ici que vous voyez. Donc là il y a l'atout réanimation rapide et là ben justement il y a l'atout courir vite dans l'établissement. Alors ici il y a une porte que vous allez devoir traverser à travers, donc pour traverser à travers il vous faudra le spécialiste camouflage des terres au moins niveau 3 si je me trompe pas pour pouvoir passer à travers les obstacles. Donc là je vais l'activer et je vais passer à travers la porte, voilà, comme ceci. Donc quand vous êtes à l'intérieur, regardez, il y a un zombie punk qui danse. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre des pizzas, je crois. Voilà, je prends les pizzas. Et là, j'ai 43 secondes pour aller livrer les pizzas. Donc là, c'est parti. Hein. 43 secondes. Je pense que j'ai qu'un seul essai. Donc, on va essayer de se grouiller. J'aurais peut-être dû prendre PhD Flopper pour slider et pour aller pour me déplacer plus vite. Alors, commande de la ville typique. Là, il reste encore 20 secondes. Franchement, ça va être chaud parce que je dois livrer 4 pizzas. Il y en a une au Burger Town. Enfin, au Burger, là, juste en dessous de moi. Donc, je vais la livrer directement pour voir si ça augmente dans le chrono. Voilà, ça augmente pas. Ok, donc j'ai 30 secondes pour livrer les pizzas. Donc là, il y a une pizza qui se trouve ici. Maintenant, je vais aller livrer les 3 autres. C'est parti, hein, mais franchement, je vais aller prendre le PhD parce que c'est assez compliqué. Okay, donc je prends PhD ici, voilà. Il faut bien connaître la map par cœur, hein, parce que je pense qu'un fail et c'est mort. Donc là, je vais aller chercher la deuxième pizza. Ok, donc c'est parti, je prends la deuxième pizza. Je vous laisse récupérer la récompense. Grand essence, ok. Ok, maintenant, je peux aller livrer la deuxième pizza. Je vous laisse le gameplay pour voir, pour vous montrer comment je fais. Peut-être que ça va vous aider. Ok, donc après c'est ma première tentative. Hein. Je sais pas si je vais y arriver du premier coup. Vous voyez, avec le slide niveau je sais pas combien. Le PhD slider là. Je l'ai mis niveau je sais pas combien. Enfin, il est niveau max. Mais mes slides vont beaucoup plus vite. Donc là, je livre la pizza la plus éloignée. Franchement, c'était assez facile. Hein. Donc, avec le slide, c'est easy. Là, je vais livrer les deux autres dernières pizzas qui me manquent. Ok, donc là, je récupère la récompense qui est encore 500 points. Je prends la pizza et je me casse. C'est parti. Ah, j'aurais dû prendre courir vite. Bah oui, je suis bête. Il est juste à côté en plus. C'est pas grave. Pour la prochaine pizza, je la prendrai. Donc là, je vais juste me rendre en face du burger. Il y a un établissement. Et il y a justement des personnes qui attendent leur pizza. Je vais aller leur apporter ça. C'est parti. Donc voilà, c'est juste ici en bas. Et les pizzas sont juste ici. Boum. Ok, donc il me manque plus qu'une pizza à aller apporter. Et par la même occasion, je vais prendre courir vite. Pour faciliter les choses en fait. Je prends ma récompense qui est 1x2. Je prends la pizza. C'est parti, let's go. Je sais pas si le x2 il aurait des pop, mais c'est un truc à tester. Si vous testez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Voir si à la longue il dépop, donc il disparaît. Ça se tombe, il disparaît pas et on peut l'utiliser quand on veut. Donc ça, ce serait pas mal. Alors la dernière pizza, je sais plus trop où elle est en fait. Oh, je suis bête. J'aurais dû vérifier avant. Si, je pense qu'elle est à la salle d'arcade. Ah oui, mais c'est justement celle la plus éloignée. Le vidéo club, voilà. Boum! Ok, c'était le vidéo club. Juste ici, à côté de la salle d'arcade. Ok, donc là, normalement, il devrait me donner un pistolet laser. On va bien voir ça tout de suite. Ok, ok, ok. On va voir. Est-ce que ça marche? Ah, ça n'a pas fonctionné. Par contre, je peux vous assurer qu'il peut donner un pistolet laser. Hein. Je vais même vous montrer un morceau de vidéo. Pendant la vidéo, comme ça vous voyez pas que je dis du fake. Mais franchement, j'ai pas eu de chance à mon avis. Peut-être qu'il le donne pas à tous les coups, hein. Peut-être qu'il peut donner n'importe quoi, une arme spéciale de la map, je sais pas.
une arme améliorée, je sais pas. Je pensais que c'était obligatoirement un pistolet laser, mais apparemment non. Ça peut donner aléatoirement des choses, donc il faut vraiment avoir de la chance pour l'obtenir. Enfin bref, voilà qui termine ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soitcool Mec, ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.